Good morning, allez, Daniel Sussra, aujourd'hui le Minishma de Maman de Rabban Israël Vefanit, Dvora Bat Esther et Rosette Zohara Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi d'aider, une prochaine étude de Misha, contactez la communauté éternelle. Nous étudions ma Sechet Yavam Aperik Tedvav, Mishnah Gimel Bet Shamayom Rim, Tinase, Vetitol Ktubata. Bet Yelalom Rim, Tinase, Velotitol Ktubata. Amroulem Bet Shamay, Hitartem Erva Hamura, Lota Tiruet Mamonakal. Amroulem Bet Yelel, Matsinou Shen, Achim, Nichnasim Lena Halal, Pia. אמרו להם, בית שמאי, ולא מסדר כתובתה נלמוד. שהוא כותב לה, שאם תנשאי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. Encore une discussion entre בית שמאי et בית הלל, et que de nouveau, c'est בית שמאי qui va gagner, au point בית הלל va reconnaître l'הלכה, qu'il faut établir l'הלכה comme בית שמאי. On parle de quoi? On continue à parler toujours du sujet de ce chapitre. Une femme qui vient et qui nous raconte que son mari est mort. On a déjà dit que, selon la Torah, on ne peut croire quelqu'un, on ne peut croire qu'un homme il est mort que s'il y a deux témoins, Kérim, qui viennent. Deux bons juifs, hommes, pas femmes, uniquement qui l'ont vu parfaitement, d'accord? On ne peut pas qu'ils l'ont vu même ensemble, ça dépend peut-être des cas. Et des fois, il faut que ce soit deux témoins qui soient ensemble. Des fois, même si c'est un qui l'a vu une fois, l'autre qui l'a vu le lendemain. Là, je ne sais pas comment c'est présent, précisément. Je ne sais pas s'il faut voir ensemble. En tout cas, selon la Torah, pour pouvoir croire, pour pouvoir permettre un homme, un mort, dire que quelqu'un est mort, c'est que deux hommes, deux témoins cachés. Rami, on dit avec une situation pareille, avec une rigueur pareille, on va se retrouver avec des femmes bloquées à n'en plus finir. Alors quoi? Rami, on fait des coulottes. On va permettre avec un seul témoin, ça c'était le plus haut. Et maintenant, on va même aussi permettre avec la femme qui vient, qui nous raconte que son mari est mort. Grand chidouche. Quelqu'un vient nous raconte que, une femme elle vient nous raconte que son mari est mort. Eh ben, on la croit. Imaginez, juste pour vous donner une idée, quelqu'un, un homme qui revient de Khoutzlaras, qui nous dit que sa femme, elle est morte, et que maintenant il veut se marier avec sa sœur, avec la sœur de sa femme, on ne va pas lui permettre. Parce que qui nous a dit qu'elle est morte, sa femme? Peut-être qu'il a divorcé, qu'elle est restée là-bas, qu'il n'a pas besoin avec sa sœur. Sur qui on se fonde? Sur toi? Toi, tu n'es pas un témoin. Toi, tu es le concerné. Tu ne peux pas être témoin. Ça, c'est en général. Spécialement pour permettre la femme mariée, là, elle est permise à l'aval, elle va nous raconter qu'elle a le droit de se marier. Et même mieux que ça! Elle va se marier, elle va même pouvoir faire le hiboum et se marier avec même son beau-frère. D'accord? Le sujet maintenant de notre Mishnah, il est de savoir, est-ce qu'elle va aussi prendre sa ktouba ou pas? Il s'est engagé, le mari, sur la choupa, à donner 400 000 euros. Est-ce qu'on va lui dire, ah, tu sais quand même, tu nous racontes que ton mari est mort? Bah écoute, prends aussi les 400 000 euros ou pas? C'est la question de la Mishnah. Parce que d'un côté, alors on va dire quoi? D'un côté, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et on peut dire les deux. C'est exactement la marque qui va y avoir entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ça va être à double, avec deux possibilités dans Beth Shammai. Beth Hillel va nous dire, écoute, nous on a permis de te marier, mais reste, fais-toi petite. On te permet de te marier, mais rien d'autre. Le strict minimum. L'argent, tu la touches pas. Beth Hillel, Beth Shammai va nous dire, mais non, c'est pas aussi ça. Si on te permet de te marier, ça signifie que tu es une veuve. Si tu es une veuve, eh ben, tu vas pouvoir te marier complètement. On va te permettre, alors que tu es peut-être une femme mariée, on va te dire non, ton témoignage, il est validé, il est accepté, cautionné, pour pouvoir te remarier, à plus forte raison pour pouvoir prendre de l'argent. Qu'est-ce qui est plus grave dans la vie? D'une femme mariée qui va partir avec un autre homme ou quelqu'un qui va perdre 400 000 euros? Qu'est-ce qui est plus grave? Une femme mariée qui va partir avec un autre homme, bien sûr. Imagine, elle va partir se marier, peut-être qu'il va y avoir des mamzeries, peut-être qu'il va y avoir... Et malgré tout, on lui permet de se marier. Si on va lui permettre de se marier, à plus forte raison qu'on va lui permettre de prendre de l'argent. Et voilà, pour le moment, c'est la première partie de la Mishnah. Après, on expliquera la suite du dialogue, je n'ai plus le terme, c'est pas grave. Beth Shammai, donc Beth Shammai nous disent, Tinase vetitol ktubata. Elle pourra se marier et même prendre sa ktuba aussi. Ce qu'ils sont engagés de lui payer, il lui donnera. Beth Hillel l'omrim, Beth Hillel nous disent, non, Tinase velotitol ktubata. Qu'elle se marie, mais qu'elle ne prenne pas sa ktuba. Ce qu'on lui a permis, on l'a permis. Ce qu'on ne l'a pas permis, on ne l'a pas permis. Ce qu'elle a fallu permettre pour qu'une femme ne reste pas bloquée, alors on va lui permettre. C'est pas une raison qu'elle doit s'être héritée son mari. Ou à prendre sa ktouba. Abroulaim, Beth Shammai, ils ont rétorqué Beth Shammai. Itartem, Erva, Hamra, je vous comprends pas, Beth Shammai. La Erva, une femme mariée, tu as pu la permettre grâce à sa parole. L'autre tiroit, maman nakal, vous n'allez pas lui permettre même de prendre l'argent, qu'est-ce que ça peut faire? À plus forte raison qu'il faut lui permettre, ce qui est plus grave. Tu as permis un interdit de Chiouv Mita, tu l'as permis grâce à sa parole. A plus forte raison qu'elle va pouvoir aussi prendre sa ktouba, pourquoi pas? Amour la Mbet Hillel, ils ont retourné Beth Hillel, j'ai une preuve que c'est pas vrai. Matsinou, Shana Khim Nichnasim, Nanachal Alpia, question. Elle vient nous dit que son frère il est mort.
Bon, elle doit prendre sa ktouba. T'as dit combien? 400 000 euros. Mais lui, il était milliardaire. À part ça, il avait encore 2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 millions? Ses frères, ils vont se le partager? Pas question. Ça va se bloquer pour le moment. Parce qu'on évoquait dans le chapitre précédent l'histoire de Ronarad. C'est une situation très compliquée, ça. Ouais, c'est très fréquent les hétéragounotes quand il y avait les guerres de. Il y a eu des tas de hétéragounotes qui. Il y a eu encore récemment quand il y a eu la fameuse histoire des jumelles là en Amérique. Récemment. C'est le jour de mes conseils. Il y a. D'accord, en 2001, il y avait eu quand il y a eu les tours qui sont tombées. Des juifs qui sont partis, là-bas, ils sont parvenus, on ne sait pas, on n'a jamais retrouvé leur corps. Est-ce qu'on va permettre, on ne va pas permettre? Dans quelle situation on va pouvoir se permettre? Une chose de sûre, si on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, on ne va pas partager son héritage à ses héritiers. Parce que peut-être c'est à lui, Mapitom. Peut-être que finalement il va débarquer. Peut-être qu'en fait, quand il y a eu cette histoire, il est parti, il en a profité pour aller refaire sa vie, et puis un jour il compte revenir d'ici 30 ans pour reprendre ses biens. Mapitom, de quel droit on va se prendre ses biens et les donner à quelqu'un d'autre? Ces biens devront rester, personne ne va les hériter. Selon ce principe aussi, la femme qui débarque d'Amérique, elle était partie avec son mari, elle nous dit, mon mari il est mort, je veux aussi Maktouba. On va lui donner sa Ktouba, d'accord. Non, c'est la marque loquette dans la Benjamin Mithilel. Mais une chose de sûre, ses frères qui sont restés ici, ils ne vont pas hériter de son héritage. Donc tu vois bien que quand la femme vient, on va la permettre à elle, mais on ne va pas partager ses biens entre ses héritiers. Selon ce principe, on ne va pas non plus lui donner la Ktouba. C'est la vie de Beth Hillel, pour le moment. Amroulaem Beth Shammai, l'ont rétorqué Beth Shammai. D'accord, peut-être sur ça tu m'as répondu. Tu m'as dit que c'est pas parce qu'on va la croire à elle que c'est une cause de permettre aussi son argent et ses biens, et donc forcément de lui donner la Ktouba. Mais quand même, allô, véalo, misséter Ktouba, t'as ni le mode. Viens, on va étudier ce qu'il y a écrit dans sa Ktouba. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Ktouba? Chez où Kotev là? Shimtinasina Acher, Titlim, Shekatouv Lechi. Qui a écrit dedans que le jour où tu te marieras avec un autre, tu pourras prendre ce qu'il y a écrit. Ce que je me suis engagé de te donner. C'est-à-dire, en fait, il nous dit, Beth Shammai, il dit, bon, t'as raison. Mon calvachomer, par ma déduction, par a fortiori, j'ai planté. J'ai voulu te déduire que si on va le permettre de se marier, et à plus forte raison qu'on va lui donner l'argent, tu m'as cloué le bec. T'as raison. On ne peut pas déduire les lois d'argent des lois du fait qu'on va le permettre de se marier, comme tu l'as si bien dit. Mais j'ai une autre raison. L'engagement de l'Aktouba, qu'est-ce que le mari écrit dans l'Aktouba? Il n'écrit pas, quand je vais mourir, tu prendras cet argent. D'abord, c'est pas vrai parce qu'elle n'écrit pas comme ça. C'est pas quand le mari meurt que la femme elle prend sa Ktouba. Quand le mari meurt, la femme elle pour le moment elle continue à profiter des biens du mari, même sans prendre la Ktouba. Il lui dit juste que si un jour tu voudras, tu iras te remarier, tu pourras prendre la Ktouba. Donc maintenant, cette phrase-là, pragmatiquement parlant, on va dire comme ça, ce qu'il y a écrit dans cette phrase-là, il écrit quoi? Le jour où je reçois un droit d'aller me marier avec quelqu'un d'autre, je te dis bye bye et je récupère mon argent. Et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peu importe si pourquoi Chachamim m'ont cru à moi pour raconter qu'il est mort. Ils m'ont cru à la femme pour raconter que son mari est mort. Mais si Chachamim l'ont cru, maintenant elle reçoit une permission du Bedin d'aller se marier, elle va aller se marier, le jour où elle se marie, l'engagement de la Ktouba du premier mari, elle lui dit, le jour où tu te maries, tu ne peux plus prendre ton argent. Donc elle prend son argent. Et là, les Chazrou, Beth Hillel, le Horot, qui dit Beth Shammai, et Beth Hillel ont finalement accepté le propos de Beth Shammai, que, comme la Gemara le dit, Darshinan Lashon Ktouba. On est Doresh, ce qui est écrit dans la Ktouba. Ce qui est écrit dans la Ktouba, ça fait office. C'est comme les contrats. On ne va pas selon les intentions, on va selon ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que ça engage. La phrase qui est écrite, le jour où tu te maries, tu prendras ton argent. Elle a le droit de se marier, elle prend son argent. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.